La plateforme DS, entendez, Dame de l'éducation et de l'enseignement supérieur, a tenu ses premières assises à l'école normale supérieure de Libreville. Il faut restaurer les valeurs de la femme gabonaise dans ce secteur d'activité et contribuer à la construction du tissu social. On en parle avec Blaski Okomba et Gérard Mindo. Elles veulent rendre plus attractif le milieu dans lequel elles évoluent. DS, entendez, Dame de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Ce rassemblement prône les valeurs au féminin en ayant pour but relever les défis qui gravitent autour de leur secteur d'activité. L'un des objectifs de notre fondation, c'est d'accompagner les jeunes filles dans les études scientifiques. On envisage de créer une maison de la science. Nos activités ont vocation à s'étendre, à ne pas être enfermées seulement dans l'enseignement supérieur, puisqu'on veut mener une activité d'intérêt général. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Cette initiative vise également à ramener l'authenticité de nos cultures. Voyez-vous, lorsque vous faites même un sourire à quelqu'un qui est fatigué, ça lui redonne de la force. La grand-mère te disait non, va d'abord puiser de l'eau à cette maman, va aider telle personne, ont été perdues. Nous voulons que ces valeurs qui nous ont bercés, qui nous ont aidés à réussir et qui sont aujourd'hui en perte de vitesse, puissent émerger à nouveau. À noter que cette initiative de la Fondation des Dames de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur découle de la rencontre d'avec la première dame, Zita Oligingema, qui a abrité les ateliers des consultations des femmes du Gabon.